Oh, mais non, et le monde est toujours. Ah. Non, et le monde a des substituts sur d'autres mondes. Et non, ça rapport avec les premiers. Oh, le nom dans la langue maternelle, alors que le nom est facilement trouvé. Mais pas des lettres qui les réunissent. Association des sons les plus divers aux idées les plus différentes. Oublie de la façon dont les mots les plus ordinaires sont composés. Oublie de l'ordre, c'est des idées, c'est pas des chiffres. Un moment. Je crois me souvenir que je me suis déjà vu dans un état analogue. Et que j'avais découvert un moyen d'y échapper. C'est comme du feu. Elle souffre de la tête. Il lui semble qu'elle manque d'air. Elle sent sa langue s'immobiliser et se contourner, la pointe en haut contre le palais. J'ai la cervelle en ébullition. Elle sent sa tête qui se tourne à droite. On dirait que j'ai la tête sur des charbons ardents. Et ses mains qui se crispent douloureusement. Elle ne peut plus parler, mais elle entend. Un brouillard descend devant ses yeux. Son intelligence s'obscurcit. La douleur à la tête atteint son summum. La suffocation est extrême et bientôt la conscience se perd. Yeah.
Exaltation générale de toute la faculté. L'imagination, les forces musculaires, les centres nerveux. La capacité de vibrer l'esprit sur l'objet calculé. Mais pendant un court instant. Rapidité d'association des images. Mais c'est des satires. La définition. Il franchit plusieurs chemins de la série. Mobilité excessive. Changement de sujet à cet instant. Mais c'est pas confus des idées. Automatisme cerveau. Conscience insensée. C'est un délige d'idées. Un gros montage de souvenirs qui envahissent le champ de la pensée. Il parle dans le langage des livres saints. Des camemberts écorchent des langues étrangères. Il se crée même une nouvelle langue. De nouveaux symboles. Et mots. Et de nouvelles idées de son être. Il emploie les anciens mots et cite dans un autre sens. Il devient incompréhensible. Il reste plongé dans une sombre méditation. Suspendue reprend péniblement. Elle s'effectue dans le plus grand désordre. L'inspiration est sifflante et l'expiration saccadée. Spasme de la respiration. Inégalité des mouvements respiratoires. Son attitude, sa voix, ses gestes, ses mots se modifient. La parole est difficile et même douloureuse. Fuite désordonnée d'idées et d'images, conception délirante, rapidité des mouvements respiratoires, perte de connaissance, tout le corps se contracte. Cependant, le calme se fait peu à peu, troublé seulement par de grandes secousses. La respiration s'arrête brusquement.